suis allée à Barcelone à la fin des années 70 parce que c'était la ville plus moderne, plus ouverte, plus cosmopolite. Et on s'est respiré plus liberté en Espagne, à l'Espagne de l'époque. C'est l'Espagne qui laissait le cauchemar de la dictature franquiste. Barcelone, à l'époque, c'était l'Europe. Et alors, c'est pour ça que je suis allée. Je suis allée à une commune, hippie. Je suis allée parce qu'il y avait des expériences d'habiter ensemble. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de souvenirs. Pour moi, c'est ma deuxième ville, c'est ma patrie. C'est où je ressens quelque chose. L'Eixample, c'est le quartier bourgeois où la bourgeoisie est allée après, quand le centre-ville, le centre médiéval s'est allargé. Ça serait ici comme le triangle d'or. Alors, l'Eixample, c'est formidable parce que c'est une vision un peu utopique de l'architecture. Et un quartier Gracia, que c'est un quartier qui a beaucoup de personnalité, c'est un quartier plus jeune, plus populaire, où il y avait beaucoup de mouvements d'anarchistes, et il y a une tradition d'ouvrière et tout ça, très intéressant.